La famille, c'est la malle le pistolero. C'est l'heure de la draft. Honoré de Balzac à Mitri Mori. On va faire le tour de tous les lycées de France. On va détecter la nouvelle pépite, le nouveau diamant. Voilà, la nouvelle génération qui sera draftée, qui sera dans les locaux de mon émission, le Lama Live Show. En tout cas, le gagnant de ce concours viendra dans le locaux de génération dans mon émission, le Lama Live Show. On t'a dit, show. Ils m'ont pris pour vu, j'étais en train de bailler. C'est ça le live. Ouais, je suis KO en ce moment, on travaille dur. Salam à tous, c'est Lama El Pistolero, c'est l'heure du Lama Live Show 2.0. Et comme d'habitude, ce soir, ça va être chaud. Oui, ça va être chaud parce que je ne suis jamais seul. Voilà, je suis accompagné de mon gars sur un certain Netsuko, le guerrier blanc dans la maison, bien sûr. Et bien sûr, je ne suis pas seul, bien sûr, dans cette émission. Comme d'habitude, on reçoit des artistes incroyables, des diamants, des pépites dans le Lama Live Show. Et ce soir, nous sommes avec un diamant, une pépite, une révélation. Ouais, je vais vous le dire comme ça, j'ai dit les termes, c'est une révélation pour moi, un artiste incroyable, en tout cas un artiste en devenir. Il s'appelle Yanis. Yanis, un artiste incroyable qu'on a découvert justement quand on a fait le tour des lycées. On a fait l'émission qui s'appelle La Draft et on a été à Mitri Mori dans le lycée Honoré de Balzac et on a décidé de faire un concept. C'est d'aller dans les lycées, faire un concours de rap. Et le premier qui gagne ce concours, en tout cas, viendra faire une émission dans le Lama Live Show. Chose promise, chose due, Yanis est parmi nous ce soir. Ça va ou quoi, Yanis? Ça va et toi? Oh, ça va, ça fait plaisir que tu sois là. Le plaisir partagé. Ouais, franchement, ça fait grave plaisir que tu sois là parce que, voilà, on récapitule un peu. On est parti dans ton lycée, on a fait la draft. Déjà, il fallait être courageux pour pouvoir aussi monter sur scène devant tout le lycée. C'était pas facile. Mmh. Surtout, il y avait beaucoup de talent. C'est vrai. Il y avait énormément de talent. C'était dur à départager. C'est vrai. Et c'est toi qui as remporté la coupe. Ah, c'est vrai. Ouais. Je peux que dire ça. Après, les gens, ils étaient bons. On peut pas dire que le contraire, mais. C'est moi qui ai gagné, hein, j'ai envie de dire. Exactement, c'est toi qui as gagné. Justement, William, Netsuko, c'est lui qui fait la présentation de tous les artistes qui viennent dans la Malave Show. Netsuko, let's go! Jeune, à 17 ans, et tu as grandi à Ville-Parisis, dans le 7-7. C'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, tu as gagné, comme on l'a dit, le concours de la draft organisé au lycée Honoré de Balzac. Exactement. Et au départ, l'écriture, c'était plus un passe-temps pour c'est toi. Ça, ouais. C'est ça, au début, quand on était petit au collège. Ça écrivait vite fait, ça disait vas-y, on fait ça pour rigoler. Après, au final, on m'a chauffé un peu pour faire la draft, comme je vous ai dit. Et franchement, je me suis dit, j'y vais au talent, comme ça, j'écris un truc vite fait et on verra ce que ça donne. Et c'est passé. Hein. Justement, quand tu dis on t'a chauffé pour faire la draft, comment ça s'est passé réellement? Parce que nous, on est venu faire une petite propagande légère, mm-hmm. quand même, dans le lycée, en disant voilà, on arrive dans votre lycée, pendant la récréation, on va mettre en place une scène musicale pour que vous puissiez vous exprimer. Comment, qui est venu te contacter et comment, justement. En gros, pour te vous raconter, de base, en plein milieu de l'année, ça a commencé à se vanner fort, à s'organiser un RC. Ok, c'est véridique. Et j'ai écrit, et les gens ils ont commencé à kiffer, et du coup c'est parti de là. Du coup, en gros, ils ont commencé à dire ouais, t'écris bien et tout. Et en gros, à la fin de l'année, on reçoit un mail de Marquinhos, donc monsieur Pierre. Et tout le monde dans la classe, ça screen et ça envoie dans le groupe de classe ouais, c'est un truc qui est fait pour toi, t'es censé y aller. Moi j'hésitais et tout, mais après, tellement ils m'ont chauffé, je me suis dit vas-y, j'y vais, franchement, j'ai quoi à perdre. Franchement, il n'y a pas eu de perte de temps, hein. J'ai gagné au final, c'est bon. Mais ouais, c'était un peu à l'arrache. Je me suis dit, on m'a chauffé, vas-y, on y va. Et justement, il disait, Netsuko, dans sa présentation, que tu avais 17 ans. Ouais. Ça fait combien de temps que tu rappes? Je commençais, mon premier texte, je l'ai sorti en 5e pour rigoler. Okay. Après, de temps en temps, j'écris, vite fait. Mais ça sort pas, juste ça reste dans mes notes. Et après, du coup, là, j'ai repris un peu. Hein. T'as jamais été en studio J'ai jamais été en studio, genre professionnellement. Okay. Juste, il y a un pote qui a ouvert un studio, je vais que chez lui de temps en temps, on écrit pour rigoler. Mais non, jamais studio professionnel. Incroyable, incroyable. Nous, il nous a scotché. Performance incroyable devant tous ces élèves-là. Franchement, et c'était une belle édition. C'était ouais. une belle opportunité. Justement, la draft qu'on va reprendre à partir de septembre. Hein. Là, c'était le premier lycée dans lequel on allait. On a expérimenté un peu. C'était la pression. Et franchement, c'était ouais, il y avait du monde tout. Hein. Ouais, il y avait tout le lycée qui était là. Justement. Quand on est venu au lycée, on a vu un peu la ferveur, etc. Mais après,
Après quand vous êtes parti, c'était quelque chose. Ah ouais ? Juste après, j'avais cours, je suis pas parti. Okay. Mes profs, ils m'appelaient Super Yanis, laisse tomber, c'était n'importe quoi. Ah c'était ouais, ton moment de gloire. Ouais, mais les gens, ils croisaient dans les couloirs, qui me checkaient, il y avait une foule autour de moi, c'était n'importe quoi. Mais en vrai, ça va, c'était drôle parce que même à la rentrée de cette année, mon prof, un de mes profs que je kiffe de fou, il est arrivé, il m'a dit, mais c'est pas toi qui as gagné. Je fais, mais si, c'est moi. Et après, il me dit, ouais, c'est pour quand et tout. Je dis, on verra, fin de l'année, normalement, ça passe. Les profs, tout le monde, tous les élèves, j'étais devenu quelqu'un. Aïe, c'est incroyable. Hein. Et tu vois, c'est ça en fait qu'on voulait retranscrire dans la draft, c'est vraiment apporter le côté professionnel dans un lycée, justement. Et en même temps aussi en sensibilisant les gens et les jeunes aussi, voilà, parce qu'on a parlé un peu du harcèlement scolaire. Et que c'est... Là, ça a créé une vocation, parce que c'était pas... De base, c'était pas ta vocation, tu faisais ça. Ouais, là, après ça, tu t'es dit, ah, peut-être que. Il y a un truc à faire. Ouais. C'est ça, ouais. Je me suis dit, je garde ça, on sait jamais, mais ça peut littéralement devenir quelque chose d'intéressant de me lancer dans le rap après ça. Parce qu'au final, si je m'étais lancé sans la draft et sans le passage au Lama Live Show, je serais parti nulle part. Alors que là, j'ai déjà, entre guillemets, un petit boost. Je suis un peu surélevé. J'ai de quoi te partir. Alors qu'il y en a, ils sont partis de rien. Je me suis dit, ouais, je vais peut-être pas gâcher ce moment à la draft pour rien. Je ne l'ai pas fait pour rien, quoi. Je me dis, franchement, ça peut faire quelque chose. Et ça a fait quoi d'avoir du succès ? Est-ce que les gens, ils ont dit que tu as changé ? C'est le mec qui change Zarma dans son lycée. Maintenant, c'est plus le même. Il est là, il prie. Ouais, il dit, ouais, c'est relou, il marche avec des lunettes. Zarma, c'est relou, je peux plus aller en cours de marche tranquille. Tu vois, sans que je me fasse alpaguer, on me prend des photos alors que je suis en cours d'SVT. Ah, avec la vraie démarche et tout. Non, en vrai de vrai, ça c'est mon ressenti personnel. Le système n'a pas changé. C'est ça. Je suis entouré de bonnes personnes, donc ça va. Mais on va pas dire que mon quotidien a changé, mais de temps en temps, on me voit dans les couloirs et tout. Ouais, c'est toi qui as gagné, ouais, c'est moi et tout. Et genre, on me demande, ouais, c'est pour quand tu passes à la radio, à la même. Je dis, les gars, on attend. Incroyable. C'est incroyable quand même. Ouais. Mais c'est pas pour autant que je vais être arrogant avec les gens ou je vais changer. Ça sert à rien. Je me dis franchement, je suis un lycéen en vrai. Ma nature, c'est d'être lycéen. C'est juste un truc en plus, la draft en soi. C'est lourd. En tout cas, croyez-nous, on va aller dans tous les lycées de France. En tout cas, on va essayer de sillonner tous les lycées de France pour dénicher des pépites. Exactement, parce que voilà, il faut savoir qu'il a été sélectionné. C'est pas le grand vainqueur de tous les lycées. Il a été sélectionné et il devra affronter aussi des autres finalistes des lycées. Je les attends. Tu les attends avec impatience. Bien sûr. Yanis, en ce moment, qu'est-ce que tu fais ? Là, c'est fini l'école, ça y est, tu passes ? Là, pour l'instant, ouais, avis favorable pour mes études, donc ça va. Ok. Études de quoi ? Études prépa, économie, donc ouais, plus m'orienter vers école de commerce, etc., etc. Mais ouais, j'ai fait une année bien, globalement. Hein. Félicitations, tout va bien. Ah ouais ? Ouais, je suis bon élève un peu. Attends, attention, t'as pas écouté ce qu'il a dit. Félicitations. Ah ouais ? Mais de base, je suis un mec dans les études. Hein. Je suis un mec, je taffe et tout. Ah ouais, félicitations carrément. Ouais, c'est pour ça. Trop bien. Ouais, ah, vite fait. Bien. Et du coup, là, j'ai le bac bientôt. Et après le bac, là, je pourrais peut-être enfin vraiment taffer dans le... Te concentrer. Ouais, vraiment, aller prendre des décisions studies et tout. T'as pas peur du coup de devoir faire un choix à un moment donné entre les études, parce que là tu vas faire prépa, ouais. Et en même temps tu vas vouloir aussi peut-être enclencher sur le mini buzz un peu que t'as eu, ouais, vouloir un peu surfer sur ça, et il va falloir concilier les deux du coup. Ouais, c'est... Après moi j'ai pas peur de faire un choix en soi, si le choix il se présente, je prendrai les décisions en temps voulu, mais en soi pour moi c'est pas incompatible, les deux, certes faut taper dans l'un, ouais franchement c'est pas incompatible, je peux faire les deux en même temps. Mais après, s'il faut vraiment prendre un choix, il n'y a pas le. Parce que prépa, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de. Ouais, 2-3 ans sans. Beaucoup de temps, je crois. Beaucoup de. Ouais, ouais, mais au pire des cas, je pourrais mettre ça de côté et reprendre plus tard. Ou au pire des cas, la prépa, ça va, j'ai des facilités. Donc au pire des cas, je pourrais les utiliser pour gagner du temps. Il a des facilités, ça, c'est. Ça, c'est une phrase. C'est indéniable. Ça flash, il a de la chance. De ouf. Ma question aussi, c'est. Est-ce que. Quand on est parti, après justement de cette draft, il y a des gens qui ont regretté ne pas participer, ne pas y avoir participé. Franchement, j'ai pas eu de personnes qui ont eu ce ressenti-là parce que ils s'en foutaient. Déjà qu'il y a eu tellement de... Non, on va pas dire ça.
Mais tellement il y a eu peu de personnes qui ont participé, le peu de personnes, justement, on les a poussées et ils se sont dit à quelque chose. Mais il y a, j'ai vu personne regretter de ne pas avoir participé. Non, c'était. Il y a tout le monde, qui, enfin, tous ceux qui voulaient tu participer. Tu t'es pas fait des ennemis. Non, à... non, je voulais dire. Non, attends, ta question, elle est bien. Non, je voulais dire des gens qui n'ont pas participé. Ah. Et qui se disaient et qui sont dit putain j'aurais kiffé moi participer j'aurais dû non t'as pas entendu aucune idée franchement j'ai vu personne regretter s'en foutait pas de problème ta question ouais, était je bien je me demandais après du coup après cette victoire t'as eu un peu ton premier moment de gloire ouais un peu parce que tout le lycée un peu te connaissait tout ça mm-hmm. même sur les réseaux j'imagine que ça ouais, a bien pu faire parler c'est... tu t'es pas fait un peu des t'as pas senti que tu t'es pas fait un peu des ennemis ? T'es pas rentré un peu en froid avec certaines personnes qui auraient voulu gagner aussi ? Il y avait 2-3 haters au début. Hein. Le ah ouais, vraiment même, bah, les gens, ah ouais ils sont, ouais, il y a eu 2-3 personnes qui sont venues, ouais, t'as bien rappé, mais en vrai, ils méritaient de gagner. J'ai fait, eh, on ah est ah normal, ouais, on est à l'aise comme ça. Franchement, j'étais choqué, les gens, ils étaient à l'aise. Mais franchement, je leur ai dit, mais pourquoi ils ont pas gagné dans ce cas-là ? Mais t'avais pas des potes proches ? Si ! Genre qui eux aussi voulaient gagner et du coup ça a un peu mis un froid dans votre relation ? Non, il y avait pas de potes proches qui ont participé. C'était globalement des connaissances au lycée, bien sûr tout le monde se connaît, mais des personnes proches à moi qui ont participé, non. Et même dans ce cas-là, c'est que c'est pas des vraies personnes sur qui je peux compter. Enfin, c'est logique pour moi. Et comment t'as vécu du coup ce premier moment de gloire, cette sensation un peu de buzz et tout ça. Ça fait bizarre en vrai de vrai. Ouais. Ouais, en vrai de vrai. Enfin, tu sens, il y a quelque chose qui change dans le regard des gens. Au début, tu marches au lycée, t'es personne, les gens ils checkent parce que tu les connais. Maintenant, tout le monde te regarde. Enfin, ça fait quelque chose. Ouais, par exemple, il y avait peut-être des jeunes que tu connaissais pas, qui t'avaient jamais parlé, ils venaient vers toi et tout. Ouais, mais le moment où je suis sorti de la foule, où vous êtes parti, où j'ai récupéré ma clé et tout et je suis rentré. Bah, dans les couloirs, c'était quelque chose. Hein. Les gens, ils regardaient, ils checkaient. Franchement, c'était quelque chose. Même les profs, le regard des profs, il a changé. C'était vraiment quelque chose. Parce qu'il y avait des profs... Est-ce qu'il y avait des profs qui t'aimaient pas avant et qui t'ont kiffé et qui ont changé parce que la notoriété, ça a du bon. Non, franchement, ça va. Ils sont globalement tous cool avec moi. Peut-être. Français. Comme t'écris bien, non ? Français, au début, c'était compliqué avec lui, mais j'ai su lui montrer que je savais un peu écrire, donc ça passe. Mais le jour même, c'est lui qui m'a appelé Super Yanis, donc je peux dire quoi ? Ah ouais ? Ah ouais, c'est lui, ok. Super Yanis. Super Yanis. Tu sais, ça me fait penser à, tu sais, dans les séries, tu sais, les quarterbacks, là, quand ils passent dans les campus, tout ça. Les Américains. Tu vois, les Kerry, il y a les pop-up girls. Ouh, il y a un Y. Hein tu vois, ça m'avait pensé à quand t'arrives dans le réfectoire, tout le monde veut manger avec Watt et tu as la petite, tu sais, avec les lunettes, tout le monde la bouscule, tout ça. Hey, je vais être à côté de Yanis, Tu sais, ils sont tous autour de lui, tout ça. Et tout. Non, ah, t'étais vraiment. Ah, le jour même, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Les gens, ils étaient tous autour. Même juste après, j'ai fait un foot. Normal, je sors du lycée, je fais un foot, les gens, il ils étaient autour et tout. Triplé, mais c'était vraiment mon jour. Mon il jour. Était dans les étoiles. Bien sûr, c'était mon jour. Bah le Noé B, hein. Il non. a fait son meilleur match. Non, les gens et tout, il était sur un nuage. Ah ouais, frère, ouais, c'était Mbappé. Ah, les gens, ils venaient, c'était vraiment cool. Vraiment, ce jour-là, c'est gravé dans la mémoire. Hein. C'est quelque chose. Hein. C'est un vrai ressenti. Ah ouais, c'est gravé dans la mémoire. Putain, c'est... Bien sûr. Ça, franchement, je te dis la vérité. C'est la vie d'une personne. Ouais, je te dis la vérité. Beau. Ça me fait plaisir. Bon, je suis pas tout seul. Hein. Il y a Merkens qui était là. Ouais. Il y a moi, Pierrot aussi, bien sûr. Il y avait Reda qui était là aussi. Ceux qui travaillaient avec nous. À l'époque, fut un temps. Ouais, parce que c'est la draft. Ça rentre et ça sort. En fait, on peut l'appeler le saloon aussi. Tu sais, l'Amal Live Show ou truc, c'est le saloon. Les gens, ils rentrent, après ils sortent, après ils rentrent, après ils sortent. Ouais. Mais là, ceux qui maintenant sortent, je barricade. Dès qu'une fois qu'ils sont sortis, voilà, et je mets des clous, tu vois, comme dans les dessins animés, là, cloc, 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 cloc. Ouais. Donc, une fois que t'es sorti, c'est difficile d'y rentrer. Exactement. Non, ouais, c'est vrai, tu disais qu'on a changé la vie d'une personne. Bon, j'irai pas jusqu'à là, mais c'est vrai que, en tout cas, ne serait-ce qu'un court instant, ne serait-ce qu'une journée, tu vois, avoir ce ressenti-là, c'est magique en fait. Ça fait quelque chose, hein. Ouais, franchement. Mais même, comme vous l'avez dit juste avant avec le rapport qui est passé juste avant, la force, ça se donne, ça se perd pas. Là, ce que vous avez fait, c'était vraiment incroyable. Enfin, ça peut vraiment faire émerger des pépites, comme tu as dit. Faire des pépites après des diamants. Et toi, en soi, tu n'as rien perdu à faire ça. Donc franchement, c'est incroyable. Tu as vu, il a dit ce qu'avec Auster, on disait tout à l'heure. C'est ça.
j'ai rien perdu. Ouais. Et j'ai donné un peu de force justement à ça. Mais franchement, tu vois, ça, c'est vraiment mon concept de base. Mon concept, quand je parle pas de la draft, etc. Ça, c'était le concept d'aller dans les lycées, tout ça. On avait pensé avec Merkens, etc. Mais surtout le lycée Mitri Mori, bah, vu qu'il est prof là-bas. Mais c'est vraiment mon concept de voilà, se dire comment apporter la lumière dans le milieu amateur. Comment apporter ce côté professionnel, donc avoir un peu de notoriété, etc. Comme un artiste qui peut avoir de la notoriété quand il va dans un centre commercial, etc. Mais à une échelle moindre dans son lycée. Parce que être une resta dans son lycée, c'est comme si tu es une resta internationale. Ah ouais, en vrai. Tu vois, c'est vrai. Ouais, tu vois c'est vrai. Donc, bon, raconte-nous encore un peu là. J'ai envie de savoir là. Vas-y. Ok, tu as fait la draft, etc. Tac. Ouais. Et après, déjà. Ton ressenti quand tu as gagné déjà. Est-ce que tu t'attendais à gagner? Franchement, non. J'ai vu des gens, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Je ne passe pas le premier. Je vois les deux, trois personnes qui passent avant moi. Je me dis, il y en a, franchement, ça va. Ils ont fait ça pour rigoler. Il y en a, ils sont vraiment investis. Donc franchement, ça fait peur. Enfin, tu te dis, ah ouais, moi, j'ai fait ça à l'arrache. Eux, ils ont vraiment taffé. Est-ce que je peux vraiment gagner? Tu n'as mis aucune pression, en fait. Non, en vrai de vrai, j'avais pas la pression parce que je me suis dit, j'y vais tranquille. J'y vais même pas pour gagner. J'y vais pour participer parce qu'on m'a un peu chauffé. Mais je m'attendais pas à gagner. Et au final, bah, quand on m'appelle, c'est un moment. Hein. Quand je me lève sur la table et que je check la malle, c'est je vois tout le monde. Mais je crois qu'il allait dire que je check le principal. Non, on n'en est pas là. On n'est pas là. Le CPE. Le directeur, il était là. Il a fait une petite interview à la fin. Le directeur, il était là, il a fait une interview, il était content, etc. Ouais. Président d'école, ou comment on dit directeur? Ouais, directeur d'école. C'est principal. Le principal. Ouais. CPE, ouais, aussi. Et donc après, quand tu me check, vas-y. Ouais, il y a tout le monde qui crie mon prénom. Et ça fait une pression. Ça relâche tout d'un coup. Et c'est quelque chose de spécial. Vraiment, c'est pas descriptible. Tu peux pas faire autrement. C'est qu'à ce moment-là. Et après, là, tu gagnes. Et vas-y, dis-nous, t'es parti dans quel cours après t'es balade, c'était français. Ouais. Français. Super Yanis. Oh, ouais. Ouais, donc franchement, ça va. Mais après, le problème, c'était le dernier jour. Donc ça n'a pas pu s'étaler sur des mois et des mois. Mmh. Mais la rentrée. Ah ouais, ça veut dire que c'était le dernier jour de l'année. Ouais, exactement. C'était 1000 années comme ça. Mais t'as compris, la 1000 années en beauté. C'est la meilleure fin d'année du monde. Tu vois? Bien sûr, c'est la meilleure fin d'année. Après, t'as passé les vacances de ta vie après. Mais bien sûr, mais Instagram, c'était incroyable. Les réseaux, c'était incroyable. Ah ouais, ils t'envoyaient des DM, des messages, tout sur Insta. Ouais, c'est pas bien de dire ça, mais ouais, j'ai eu du monde. Hein. Non, c'est bien de dire ça, c'est bien. Je suis passé. Franchement, j'étais vraiment personne. Ouais, on n'a pas dit qui. Je restais un peu dans mon coin, hein. J'aimais pas trop exposer et tout, mais ouais, franchement, j'ai gagné un peu en notoriété avec les gens et tout, mais ouais, c'était cool. Les gens, ils m'envoyaient des messages, ouais, bien joué, t'as gagné et tout. C'était vraiment cool. Et bon, on va parler. Il y avait des meufs aussi. Hein J'avais posé. Il y avait des meufs qui. Ah ouais. Ah, ça attaque normal comme ça. Bah attends, il y avait des petites meufs. Tu sais, t'as la notoriété, ça veut dire non, forcément. Est-ce qu'il y avait une fille qui que. Ouais. Ah là là. Plaisait. Ah là là. Quel bourbier. Que t'arrivais pas à. Quel bourbier. T'arrivais pas à voir et t'as gagné. Après, t'as senti que c'était plus pareil là. Ah, franchement, peut-être une semaine avant, je m'étais fait recal par une meuf pour tout vous dire. Ah ouais, putain, mais c'est un film. Et ouais, et franchement, non, et juste incroyable. Après, bah, quand ça a commencé à crier et tout, au bout d'un moment, Reda, je sais pas si tu te souviens, il est allé dans la cantine et tout. Oui. Je suis parti voir mes potes et il y avait la meuf, elle était peut-être à 2-3 tables après. On s'est échangé un regard, le regard était noir, il était bresson. Et juste après, je suis sorti, j'ai explosé de rire. Franchement, c'était chaud. Et elle t'a pas recontacté après? Bah non, elle avait trop la haine, je pense. Elle avait trop la haine. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et sinon, à part elle, il y avait d'autres qui sont. Il y en a, ils sont venus, ouais. Mais en toute amitié, ou je sais pas, enfin, ouais, moi de mon côté. Non, je vais pas dire ça parce que c'est des. Recherche de baisse. J'ai dit en toute groupillité. Mais non, tu peux pas dire ça. Non. Bah attends, c'est une resta maintenant, ça y est. Mais dans le lycée, en fait, c'est lourd. La draft, en fait, on a créé un nouveau monde. C'est incroyable. Un monde parallèle. C'est-à-dire que maintenant, il y a des nouvelles groupies. T'as vu, il y a des. T'as capté? Il y a des fans. Et il y en a. T'as fait des photos? Avec des gens? Ouais. Bah franchement, il y en a deux, trois, ils ont pris des photos. Ah ouais? Je te jure. Ah carrément, ça t'arrête dans le lycée selfie et tout. Mais le jour même, j'ai pris peut-être 2-3 photos. Après, forcément, rentrée et tout, les gens, ils ont oublié, ils ont vu que j'étais un gars normal. Mais après, le jour même, c'était vraiment quelque chose. Hein. Et à la rentrée, voilà, après, c'est fini, c'est des vacances magnifiques. Ouais. Tes parents, déjà, ils l'ont pris comment quand tu as dit? Mon père, je l'ai appelé juste après. Je lui ai dit, papa, tu vois le truc génération? Il me fait, ouais.
J'ai dit, j'ai gagné. Il me fait, ah bon? En mode, et après, il me dit, ouais, c'est. Il dit, ok. Et vraiment, c'est la réaction la plus plate. Et après, je lui dis, papa, j'ai gagné. En fait, ça représente pas grand chose pour lui. Même pas, c'est juste, il percutait pas sur le moment. Mais après, dès que je lui ai montré toutes les vidéos, elle a fait, ah ouais, quand même. Ah ouais, t'es le rappeur de la famille. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a une liste dans la maison. Non, mais même pour toi, si après tu dis à tes parents, je veux faire quelque chose dans le rap, ils savent que t'as gagné un concours. Ouais, il y a un petit truc, il y a une petite certification. Tes parents, ils savent que tu peux faire un truc où ça te rend un peu plus crédible. Ouais, ils me disent, franchement, fais d'abord les études. Mais si t'as envie de faire un petit truc à côté, on sait jamais. En plus, là, t'es en prépa, donc du coup, ça va pour les parents. Ouais, ça va. Ouais, j'ai les deux. J'ai les deux, le rap, le prépa. Franchement, ça peut passer. Hein. Franchement, Yanis, ça fait grave plaisir, en tout cas, ce que tu m'as dit. Je voulais faire l'émission en te faisant plaisir, mais tu m'as fait plaisir. En racontant toutes ces petites anecdotes, que voilà, on a réussi un peu à donner du plaisir, du bonheur à une personne et une chose qu'il n'avait jamais connue aussi dans sa vie, tu vois. C'est vrai. Une petite notoriété et tout. Je suis témoin. C'est incroyable. L'idée du truc, ça s'est fait vraiment à l'arrache. En deux secondes, à Génération, on était là, on se posait. Merken, s'il avait téléphoné le. Ouais, il avait le télé. Exactement. Il a dit ah, viens, on fait dans mon lycée et tout. Bon, on était à la Génération. Ouais, je m'en souviens, en plus. On parlait, ouais, la draft, ouais, la draft, ouais, le nom, tac, tac, ouais. Ouais. Vous voulez pas en aller dans un lycée? Ouais, on va aller dans les lycées. Ouais. Attends, j'appelle l'improviseur ou la CPE. Il l'appelle, oui, nanana. La CPE, elle, pareil que Merkens. Oh oui, bah oui, vas-y, vous venez demain, non? Le lendemain, il était. Le lendemain, réunion, tac, tac, on parle, nanana. Ok, c'est bon, validé, après demain, vous venez. Normal. C'était fluide, quoi. Comme quoi, en fait, c'est pas si compliqué que ça de faire des choses. Il suffit d'avoir des idées. Et en vrai. Et puis le délire, en plus, ça arrive en fin d'année. Donc, ouais, c'est ça, c'était un peu la fête aussi voilà, de la fin d'année. Et à la rentrée, justement, t'arrives à la rentrée, les gens, ils sont un peu calmés, ça y est, ils ont oublié. Ouais, c'est pas ils ont oublié, ils savent très bien. Les gens, dès qu'ils me croisent et tout, ils me connaissent. Forcément. Maintenant, ils le savent, comme dirait. Maintenant, ils le savent. Ah, maintenant, tu sais, t'es connu en fait. Mais je suis pas connu de base, genre, je parlais déjà un peu à tout le monde. Un peu. Ouais, mais là. Là, tout le monde sait que c'est lui qui a gagné. Ouais, là franchement, de temps en temps, les personnes, ouais, c'est comment le rap et tout, mais je sais pas, ça a changé un petit truc. Bravo. Mais du coup, est-ce que ça te met pas un peu comme une petite pression un peu en mode tu dois rebondir sur ça? Genre tu dois sortir des sons, tu dois... Ouais, un peu, parce que je me dis, il y a des gens derrière, ils ont taffé, etc., ils ont pas gagné, ils auraient aimé gagner pour avoir un petit peu de buzz, un petit peu de truc, histoire de se lancer. Et moi, genre, si j'en fais rien... Eux là derrière, ils vont avoir trop la haine, ils vont se dire. Ah ouais, c'est par rapport à ça. C'est plus ça, c'est pas vis-à-vis de moi. Toi, t'as aucune pression pour toi. Non, c'est juste vis-à-vis des autres. Je me dis, ils ont taffé, je vais respecter quand même le truc et je vais faire quelque chose. Très bien. Yanis, merci. Merci d'être venu dans le Lama Live Show, ça m'a fait plaisir. J'espère que tu reviendras dans une prochaine émission parce que ce n'est pas fini. Hein. La draft revient à la rentrée. On va aller faire le tour des lycées. Et bien sûr, toi, t'es le vainqueur du lycée Honoré de Balzac. Amitri Mori, exact. 77. Donc, on va aller sillonner d'autres lycées. Et bien sûr, tu devras affronter d'autres personnes qui ont remporté ce que toi, tu as remporté. Donc, on va se revoir. Bien sûr. En tout cas, merci. T'as un dernier mot à dire quand même? Restez branchés. Voilà, restez branchés. Yanis le dit en tout cas. Merci Netsuko. C'est la fin du Lama Live Show 2.0. Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais dans le Lama Live Show, bah, quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore. C'est Yanis, on t'a dit dans le Lama Live Show 2.0. Et nous, on se dit à la prochaine, la famille, à dimanche prochain. Show!